Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va simplement faire un petit pack opening, après on fera deux petites attaques et après on ouvrira le coffre couronne, allez c'est parti! Alors juste avant de commencer, je vais juste vous faire voir un truc. Alors par rapport au fait des mises à jour, on en parlera pendant les combats. Donc pendant les deux combats, on en parlera. Ou déjà le premier serait déjà bien. Alors juste, j'ai envie de montrer un truc. Regardez un petit peu ce que ça donnait avant. Vous avez vu? Voilà. On va voir ici. Voilà. Et on va voir ici. Alors, c'était mieux avant, non? Bah oui, c'était mieux avant. Ouais. Ça, on va en parler pendant les combats. Donc, du coup, on va commencer le petit pack opening. Donc, on va ouvrir. Ah, c'est Windows et c'est magouille. Non, mais bon, moi, ça me saoule. Ça. Donc, faites gaffe. Moi, je vais vous prévenir. Hein, je vais vous dire de faire gaffe. Ne faites pas les mises à jour si vous n'êtes pas obligé de les faire. C'est. Enfin, bon. Donc, du coup, coffre d'argent. Ouais, allez, on va commencer par un coffre d'argent, les gars. Donc, attendez. On pense à autre chose. Là, on est sur le pack opening, les gars, ok? Allez, c'est parti, ouais, il faut se concentrer, il faut mettre un petit peu la motivation en nous, tu vois, hop là. Et là, on regarde un petit peu ce qu'on a. Donc, mortier, bon, ça motive pas. Une cabane de gobelins, ça motive pas non plus. Bah, on continue, c'est pas grave. En plus, il y a pas longtemps, là, je suis redescendu d'arène 7 à arène 6 comme une merde. Enfin bon, c'est pas très grave, il y a tout qui se passe mal. C'est pas très grave, on est toujours motivé de toute façon. Toujours, toujours. Putain, mais, oh mais... Et c'est pas ma chance, hein, c'est... Putain, heureusement que je suis dur mentalement, parce que sinon, il y a longtemps que je me serais suicidé, hein. Ah là, je déconne, c'est bon. Je fais pas du mauvais esprit, c'est pas vrai. Alors, mais ça continue. Eh, c'est pas moi qui le dis, là. Ça continue, les gars, entre nous. Ça continue, hein. Mais bon, ça va, électrocution, à la limite, je peux dire oui. Mais c'est surtout... Le mortier, là. Plutôt le mortier, j'aurai toujours, ça, c'est sûr. Donc, Ah, bah voilà, tu vois, là, ça fait plaisir. 4 gobelins. Lui, il est avec moi. Champion. Bon, il est à moitié, il est à moitié défoncé, mais c'est pas très grave. Il est avec moi, quand même, tu vois. Allez, c'est parti, on continue, les gars. Bah, allez, on va faire du coffre gratuit. Qu'est-ce que ça donne? 58 d'or? Mais attends. C'est génial. Comme d'habitude, en fait. 7 mortiers. Bah, tu vois, ça continue, mais ça, à la limite, j'ai l'habitude. Et une Valkyrie. À la limite, tu vois, c'est vrai que c'est bien. J'ai eu deux troupes qui est plutôt pas mal. J'ai eu le gobelin et la Valkyrie. Disons que c'est plutôt pas mal. J'avoue que c'est pas génial ce pack opening là, parce que j'ai eu que de la merde, mais voilà quoi, c'est bon. Mais bon, j'ai rien d'autre à dire. Allez, 7 mortiers, je m'y attendais de toute façon, hein. Et un extracteur d'élixir. Ok, disons que ça fait plaisir, mais c'est pas encore ça. Bon, en espérant, s'il te plaît, que tu ravives la flamme. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. 159 d'or, 5 barbares, ça va. 6 mortiers, on peut faire mieux. 13 heures de garde. Voilà, ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Et en plus, eh ben, on en a 13, ce qui est déjà bien. Et. Non. J'aurais préféré la Valkyrie, cochon. Même si tu veux une cabane de barbares, ça aurait été mieux, tu vois. Non, je déconne. Non, mais bon. J'utilise pas, quoi. C'est ça le problème, tu vois. Bon, moi je vous dis à tout de suite pour les attaques. Et puis je vais vous parler de ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les gars, on est contre un niveau 9. Ça fait plaisir. Bon, allez, on va essayer Valkyrie Cochon. Hein. Bon, de toute façon, là, qu'on gagne ou pas, on s'en fout complet. Alors là, donc, autant tenter. Hein. Ouais, moi, j'aime bien tenter les choses un petit peu comme ça. Voilà, est-ce que ça peut faire max de dégâts? Non, je me suis fait... ouais. Non, ça va, en fait, finalement, ça passe. Bon, disons que si je peux mettre ça... Ok, d'accord. Non, mais ouais, tout à fait. Oui, tu peux toujours tuer quand même. Hein. Ouais, ok, nickel. Ok, bah continue, voilà, continue. Oui, donc, on va parler un petit peu de ce délire. Donc, j'ai mal commencé. Hein. Par rapport au délire, et ben en fait, c'est que hier soir, avant d'aller me coucher, j'ai éteint mon ordi. Et bien entendu, il me disait arrêter, enfin, redémarrer et mise à jour. Arrêter et. Enfin, attends, je recommence. Arrêter et mise à jour, tu vois. Donc, il y avait deux possibilités. Soit t'arrêtais l'ordi sans faire de mise à jour, soit tu faisais une mise à jour. Et après t'arrêter l'ordi. Et le truc,
c'est que du coup, bon, moi j'ai mis mise à jour, tu vois, je me dis bon allez on fait une mise à jour, voilà, y a rien de mal, tu vois. Le problème c'est que ça a rendu obsolète notre très cher BlueStack, voilà, qui allait très bien, hein. Avant ça allait très bien, voilà, hein. C'était super cool. Donc du coup je me suis dit bon, il fonctionne plus, apparemment il y a une mise à jour, donc du coup moi j'ai mis la mise à jour qui est celle que j'ai actuellement. Le problème c'est que bah ça m'a fait ça. Ça m'a fait ce petit écran tout pourri là, tout petit. Donc du coup c'est un peu chiant, hein, vous pensez bien. Ouais, c'est casse-couille, hein. Voilà, moi ça me fait chier, moi j'aimais bien comment c'était avant, j'aime pas quand ça change. Voilà, hein, bon. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de revenir à une ancienne version de BlueStack. Disons que sur le moment, j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai trouvé des applications, mais soit elles s'installaient pas, soit c'était la même que celle-là, mais avec une mise à jour inférieure, mais qui buguait aussi. Donc du coup, j'ai repensé, je me suis dit, tiens, mais je peux revenir à une ancienne version de Windows. Ah, c'est pas con jusque-là. Du coup, je suis revenu à mon ancienne version, donc celle qui était hier, avant que je fasse la mise à jour. Et le délire, c'est que du coup, eh ben, je suis censé, je dis bien censé, ouh, attends, il met un PK? J'en étais sûr, c'était obligé. Allez, allez, allez. Yes, fait plaisir. Je suis un enculé quand même, n'empêche. Pourquoi je dis ça comme ça? Et donc, du coup, bah, j'ai remis ma mise à jour. Du coup, moi, j'étais tout content. Je me suis dit, ah, ça va refonctionner. Que dalle, que dalle. Bon, du coup, je me dis, bon, il ne me reste qu'une chose à faire. Ça va être très simple. C'est tout simplement de comment faire de... Ah oui, de retrouver l'application. BlueStack que j'avais avant, celle qui avait un bon truc et tout. Et ben je l'ai retrouvé, enfin du moins je pense, parce que c'était à peu près la même version, enfin c'était à peu près le même décor, le même délire, donc je pense que ça doit être la même. Et le truc, et ben c'est que bah, malheureusement non, ça a pas fonctionné. Ça a tellement bugué, je crois que j'ai même pas utilisé les flèches une seule fois, n'empêche, hein. Non mais n'empêche, entre nous c'est quand même assez hallucinant. Ah merde, là par contre c'est un gros fail. Enfin bon, et donc du coup, bah cette mise à jour, m'a fait, yesh, tu vois, mise à jour de Windows, hein, m'a fait complètement chier, comme c'est pas permis. Et malheureusement, même en essayant de retrouver la... Et bah voilà, là, ça c'est un pur enfoiré, tu vois, qui envoie du poison. Putain, je te jure, voilà, enfin bon. Et même en essayant de retrouver cette fameuse application, donc BlueStack ancienne version, et ben malheureusement ça restait comme ça. Je sais pas pourquoi. J'ai essayé après je suis allé dans... Bah attends, je vais vous dire ça tout de suite dans la deuxième attaque, c'est parti. Allez c'est parti les gars, on est contre Bob Marley niveau 8. Non je déconne, juste Bob. Bob l'éponge. Ah tiens, j'aurais dû dire ça d'ailleurs, c'était mieux Bob l'éponge. Bon allez c'est parti, ouais, donc petit sourire, petite bonne chance. Alors le délire c'est que j'ai même essayé après d'aller tu sais dans Regedit, je sais pas si vous connaissez Regedit. Je suis allé dans les paramètres un petit peu de BlueStack. Je suis allé changer, tu sais, la taille de l'application, truc comme ça, tu sais, de la fenêtre de l'application, truc comme ça, enfin bon, voilà, tu... Voilà, voilà, quoi, j'ai essayé de changer la taille, la résolution, voilà. Le problème, c'est que, bah, soit ça faisait de la merde, soit ça fonctionnait pas. Donc, bah, ça change rien, tu vois, ça changeait que dalle. Et donc, du coup, bah, après, je me suis dit, ah, c'est peut-être un problème de RAM, tu sais pas pourquoi, tu sais pas... Parce que la dernière fois que ça m'avait fait ça, c'est parce que j'avais eu un problème, enfin... C'est parce que j'avais mis les performances moins élevées de l'ordinateur grâce à un logiciel, machin. Enfin, tu sais, qu'il y ait plus de... Ouais, non, justement, qu'il y ait plus de performances, mais moins de joli, tu vois, moins de beauté, tu vois, sur l'ordinateur. Et le truc, eh ben, justement, ça avait fait ça. Et donc là, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une histoire de RAM ou j'en sais rien, tu vois. Du coup, bah, j'ai essayé. On sait jamais, il faut tout tester, de toute façon, hein. Donc j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, je me suis dit, tiens... Étant donné que c'était un truc de résolution, la dernière fois, enfin je suppose, hein, après je suis pas sûr, hein, c'est peut-être en enfin c'est quand j'ai désinstallé le logiciel que ça a refonctionné, donc au final j'en sais rien. Mais et là je l'ai pas installé le logiciel, hein, donc c'est pas à cause de ça. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais changer les choses, mais via Windows. Tu sais, la résolution, enfin tu sais, le fait d'avoir une meilleure performance ou une meilleure beauté de l'ordinateur. Et donc du coup, bah, j'ai essayé de mettre sur une meilleure beauté, et ben finalement... Dis-toi que ça n'a rien fait. Ouais, ça n'a rien fait. Bah la preuve, hein, sinon je serais pas comme ça, hein. Je suis pas non plus... je suis pas fou, quoi, hein. J'en aurais profité, enfin tu vois, j'aurais remis, enfin bon. Et donc du coup, bah la morale de cette pauvre histoire, et ben c'est tout simplement ne faites jamais une mise à jour. Si vous n'êtes pas obligé de faire une mise à jour et que tout va bien sur votre logiciel,
ne faites jamais de mise à jour. Ça ne sert à rien. Super combat. Oui, donc du coup, voilà, donc ça sert à rien, comme je vous ai dit. Alors là, toi, Mais gars, t'as rien que tu fais. Donc voilà, donc ne faites jamais de mise à jour. Jamais. C'est que des conneries. Non mais, enfin, je suis désolé, mais bon. Moi, si je m'attends pas à avoir une mise à jour et que ça foute le bordel sur mon ordinateur et que du coup j'ai le démon derrière, j'ai passé tout le matin à essayer d'arranger cette merde. Hein, je me suis levé, il était. Bah d'ailleurs, tiens, parce que la mise à jour, quand tu l'as éteint, elle s'est un petit peu faite, mais elle s'est pas finie. Enfin, elle a presque rien fait. Parce que le matin, je me suis levé, disons que je me suis levé à 6h, mais j'ai mis du temps avant de me lever. Du coup, j'ai démarré l'ordi vers 7h. Et le truc, c'est que jusqu'à 8h. Environ, donc ça a mis environ une heure, ça a fait la mise à jour. Ou refait, j'en sais rien. Enfin bon, ça a continué la mise à jour. Donc déjà, tu sens que ça a mis du temps, tu vois. T'as les boules, tu vois. Puis après, tu te rends compte que ça fait la merde. Bon, voilà, quoi. Et après, ce que j'ai fait, ça m'a mis jusqu'à une heure, je crois que j'en ai eu pour quelques heures. J'en ai eu jusqu'à midi, une heure. Peut-être pas. Enfin, je sais plus, mais j'ai mis pas mal de temps. J'ai fini vers midi, une heure, je crois, un truc dans le genre. Ça m'a saoulé. Mais genre, bien comme il faut, tu vois. Donc, du coup, moi, je vous dis, faites gaffe. Donc, si vous avez des mises à jour à faire, ne les faites pas. À part si vous êtes obligé, parce que vous pouvez pas faire autrement. Mais si vous pouvez éviter, franchement, faites-les pas. Faites pas la même connerie que moi. Moi, je ne ferai plus jamais de mise à jour, à part si j'en suis obligé. Parce que c'est une connerie. C'est une vraie connerie. Enfin, bon. Donc, du coup, moi, je vous dis à tout de suite pour le coffre con. C'est parti. Hey, c'est parti les gars, on va s'ouvrir le petit coffre con. T'as pas compris? C'est pas très grave, remets en arrière, tu comprendras toujours. Tu comprendras pas mieux quoi. Je me suis un petit peu. C'est pas très grave, on va ouvrir le coffre con, c'est parti. Coffre à couronne, merci. 410 d'or, ça fait plaisir. Parce que du coup, ça fait beaucoup d'or. Voilà, donc il a reine 6, hein. Voilà, je tiens à prévenir quand même, il est pas reine 7, non pas du tout, il a reine 6, et donc du coup on va essayer d'avoir un maximum de bonnes troupes, pour un petit peu, ouh, 4 gemmes, là déjà ça fait plaisir, tu vois, d'ailleurs j'ai pas eu beaucoup de gemmes en ce moment, ah c'est des radins Supercell, c'est un truc de ouf, et donc du coup est-ce qu'on peut avoir une bonne troupe s'il vous plaît, bon ça c'est pas une troupe, mais c'est pas une bonne carte non plus, donc pas chier. Oh putain. Bon, on continue. 21 canons. Allez, on continue. Non mais là, ça va être de la merde. Là, il va me donner une légendaire, genre la bûche. J'y ai cru. Je me suis dit, allez, j'en suis sûr, il va faire ça, juste pour me faire chier. Bon, pire tombale. Bon, bah, aujourd'hui, c'est pas ma veine, hein. Ouais, c'est vraiment pas ma veine aujourd'hui. Hein. Ouais. Bon, j'attends plus que le tremblement de terre, là. Il est passé où, le tremblement de terre, là? Hein? Le tsunami, il est où, le tsunami? J'attends le tsunami, les gars. Ah, je suis prêt, moi. Hein. Tu m'envoies un tsunami, y'a pas de soucis, je résiste. Hein. Putain, je te jure. Ah, j'ai tout eu. Hein. Ah, aujourd'hui, j'ai tout eu. Pouh. Non, c'est pas vrai, mais j'ai eu beaucoup de choses. Notamment un pack opening de merde. Bon, bah, c'est pas très grave. Moi, je pense qu'on va essayer, on va vite se laisser sur ce. Déjà parce que ça commence à me saouler, hein. Donc j'en ferai pas plus aujourd'hui. Moi je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo Clash Royale, ça va me remotiver, je vais vous parler un petit peu des mises à jour qui sont pourries à chier. Oui, je suis vulgaire, c'est pas très grave. Et puis voilà, tu vois, on va décompresser devant un petit jeu vidéo, tranquillou, on va se faire des attaques, on va même pas se prendre la tête, on va parler d'un sujet, on va pas se prendre la tête à se dire, tiens, il faut qu'on gagne, on met du gameplay plutôt sympathique. Non, rien à foutre, on perd ou pas. Hop là! Et puis finalement, le pack opening qui détruit tout. Pack opening, mais j'ai jamais eu un pack opening. Enfin, ça m'étonnerait, mais je crois que j'ai jamais eu un pack opening. Enfin, c'est rare quand j'ai des pack opening de merde comme ça, en fait. Voilà, tout simplement. Ouais, non, franchement, que des troupes que j'utilise pas, mais pas du tout. Enfin bon. C'en est dommage. À la limite, tu vois, ça m'aurait refait ma journée s'il y avait une petite légendaire. Ne serait-ce que déjà, tu vois, celui qui va sous terre ou le bûche, tu vois, le bûcheron, là, je sais pas quoi. La bûche, ça m'aurait un petit peu... Bon, ça aurait été du foutage de gueule. Mais le bûcheron, même un molosse de lave ou même la princesse, enfin, ça aurait été cool, tu vois. Mais non. Mais bon, ça aurait pu refaire ma journée, mais non. Voilà. Ah, putain.
Bon alors avant ici j'avais le fût à gobelins avant. Alors je l'ai enlevé parce que je me suis dit peut-être que finalement le rage est peut-être un peu mieux dans certaines situations. Je sais pas. C'est pas on change, c'est pas très grave, hein. C'est pas non plus, ouais, on va pas non plus s'obliger à rester avec du feu à gobelins, voilà, on tente. C'est vrai que j'y ai même pas pensé d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est pas mal comme ça. Bon, bah je suis un peu désespéré aujourd'hui, c'est pas très grave, je vais pas faire d'autres vidéos, hein, enfin, ah, disons que le jour où je suis, je fais pas d'autres vidéos, mais vous aurez sûrement d'autres vidéos en plus de ce pack opening. Parce que y a des fois je fais des vidéos avant ou même juste à la dernière minute. Bon, peut-être pas trop parce que j'ai pas la fibre, mais enfin bon. Moi je vais rester sur ce, je vais arrêter de popoter parce que là ça va durer 10 ans la vidéo tout simplement. Voilà, je sais plus parler, je suis tellement j'arrive plus à parler. Ça me ouh. Enfin bon. Et donc du coup on peut bientôt améliorer les archers niveau 10, hein. Bon, ouais, j'arrête. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao et puis surtout faites-moi plaisir, ne faites jamais de mise à jour si vous n'êtes pas obligé. Voilà, donc sauf si ça peut vous aider. Mais généralement, ça aide pas. Ok ? Voilà, donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao et puis n'oubliez pas, restez cool.